Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la stabilité des éléments dans laquelle je vais présenter la formation de molécules. Pour se stabiliser et augmenter leur nombre d'électrons sur leur couche externe, les atomes ont également la possibilité donc de mettre des électrons en commun. C'est ce que l'on appelle les molécules avec la formation donc de liaisons covalentes. Les atomes qui cherchent à gagner des électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet vont former des molécules en mettant des électrons en commun avec d'autres atomes. Pour pouvoir expliquer la formation de molécules par les atomes, Gilbert Lewis a imaginé une représentation des atomes que l'on nomme schéma de Lewis. Le schéma de Lewis d'un atome consiste à représenter le symbole de l'atome entouré de ses électrons soit regroupés par deux, ce que l'on nomme des doublets non liants, soit seuls, ce que l'on nomme alors des électrons célibataires. Voyons maintenant donc la méthode permettant de trouver le schéma de Lewis d'un atome. Donc, on commence par écrire la configuration électronique de l'atome. Ensuite, on ne garde que la couche externe. Et si, suivant la couche externe, on va représenter donc cette couche externe par un tableau, soit si c'est la couche n égale 1, on fera un tableau constitué d'une seule case. Si c'est une couche différente de la couche n égale 1, c'est-à-dire n égale 2 ou n égale 3, alors on fera un tableau qui possédera 4 cases. On va donc remplir donc les électrons de la couche externe dans ce tableau, en commençant par en mettre un par case. Ensuite, s'il y en a un deuxième, on complète au fur et à mesure les différentes cases avec les autres électrons. On va analyser ce tableau. S'il y a deux électrons dans une même case, on formera ce que l'on appelle un doublet non liant. Alors que s'il y a un seul électron, on parlera d'électrons célibataires. Et enfin, pour finir, donc, on va représenter le symbole de l'atome correspondant. Et on placera autour de ce, de ce symbole les doublets non liants, le ou les doublets non liants, qui seront représentés par des barres, et les électrons célibataires, qui seront eux représentés par des points. Je vais illustrer cette méthode avec la détermination du schéma de Lewis de l'atome d'hydrogène. Donc, l'atome d'hydrogène H, qui a pour numéro atomique Z égale 1, a pour structure, a pour configuration électronique 1S1. Ici, je vois que j'ai euh, la couche externe qui est la couche de numéro N égale 1. Je vais donc représenter un tableau avec une seule case. Je dois placer dans ce, dans ce tableau. Un électron qui se trouve sur la couche externe. J'ai donc un seul point à mettre ici. Je vais donc pouvoir maintenant déduire la, la, le schéma de Lewis de l'hydrogène. Je représente l'atome d'hydrogène avec son symbole H et je vais donc placer un point qui correspond donc à l'électron célibataire ici. Et ce qui me donne donc le schéma de Lewis de l'hydrogène. Deuxième illustration cette fois avec le schéma de Lewis du phosphore. Donc le phosphore a pour euh, donc de symbole P a pour numéro atomique Z égale 15. Il a donc pour configuration électronique 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Cette fois, la couche externe est la couche N égale 3. Et elle possède donc 5 électrons sur la couche externe. Si donc, la couche externe est la couche N égale 3, je vais faire un tableau avec 4 cases. Je vais placer mes 5 électrons en commençant par en mettre un par case. Donc 1, 2, 3, 4. Il me reste un électron à placer que je remets dans la première case. Et donc je vois que je vais avoir un doublet non liant ici et 3 électrons célibataires. Je vais donc représenter l'atome de phosphore par son symbole P. Je vais placer autour une barre correspondant au doublet non liant et 3 points correspondant aux trois électrons célibataires, ce qui me donne ici. Donc le schéma de Lewis de l'atome de phosphore. A partir des schémas de Lewis des atomes, je vais maintenant pouvoir obtenir le schéma de Lewis d'une molécule. Donc, le schéma de Lewis d'une molécule consiste à représenter tous les atomes de la molécule qui seront liés par des doublés liants et qui en relient donc entre eux des électrons célibataires. En conservant donc les doublés non liants autour des atomes qui en possèdent. Et chaque atome devra respecter soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Voyons la méthode permettant donc d'obtenir le schéma de Lewis d'une molécule. Donc, on commence par écrire le nom et la formule de la molécule. La formule va nous permettre donc de déterminer le nombre d'atomes de chaque type présent dans cette molécule. Ensuite, pour chaque type d'atome, je vais représenter le schéma de Lewis et en tenant compte du nombre d'atomes que j'ai à chaque fois. Une fois tous les atomes représentés avec leur schéma de Lewis, je vais chercher donc à relier les électrons célibataires deux à deux pour pouvoir former ce que l'on appelle des doubles liants, qui correspondent en fait aux liaisons chimiques ou liaisons covalentes. Donc plusieurs cas peuvent apparaître, soit un électron de chaque atome, un électron célibataire de chaque atome est apparié. Dans ce cas, on a ce que l'on appelle une liaison simple qui est représentée par un trait. Si on arrive à relier deux électrons de chaque atome ensemble, c'est-à-dire quatre électrons à parier, dans ce, que, dans ce cas on aura ce que l'on appelle une liaison double, que l'on représente par un double trait. Et dans la même logique, si on lit six électrons, donc trois euh, issus de chaque atome, dans ce cas on forme une liaison triple qui donc, euh, est représentée par, un trait, euh, par trois traits euh, parallèles. Ensuite, une fois donc, euh, les, différentes, euh, les différents électrons célibataires liés entre eux, on devra représenter les doublés non liants des atomes qui en possèdent et vérifier enfin que chaque atome satisfait soit à la règle du duet ou alors à la règle de l'octet. Je vais illustrer sur un exemple donc, la formation euh, du schéma de Lewis d'une molécule avec le cas donc, de la molécule de méthanal, le méthanal donc, qui a pour formule CH2O. Donc, d'après sa formule, cette euh, molécule contient un atome de carbone, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Je vais donc représenter le schéma de Lewis de chaque atome. Le carbone a pour schéma de Lewis 4 électrons célibataires. L'hydrogène, un électron célibataire. Je représente un deuxième hydrogène étant donné que j'en ai deux. Et l'oxygène, lui, a deux doublets non liants et deux électrons célibataires. Une fois donc euh, tous les atomes représentés, je vais maintenant devoir lier en... apparier mes électrons célibataires pour former une molécule, ce qui veut donc dire que je vais devoir lier ensemble donc euh, mes atomes pour former quelque chose donc qui sera euh, unique, c'est-à-dire ils se devront tous être liés ensemble et former un seul objet. La seule possibilité pour que tous ces atomes soient liés ensemble, c'est de relier les trois atomes ici les deux hydrogènes et l'oxygène au carbone. Et donc, je vais relier un électron célibataire du carbone avec un hydrogène, l'autre électron, un autre électron du carbone avec un autre hydrogène, et les deux électrons célibataires restants vont aller donc avec l'oxygène. Donc, ici, j'ai. Une, deux électrons à parier entre le carbone et l'hydrogène, donc j'ai une liaison simple, la même chose de l'autre côté, alors que ici je vois que j'ai quatre électrons appariés entre le carbone et l'oxygène, donc je vais avoir une liaison double. Une fois donc toutes les liaisons identifiées, je vais donc représenter ma molécule en plaçant donc mon carbone, une liaison double avec l'oxygène, en pensant à bien mettre donc les doublets non liants, et donc. Une liaison simple avec un hydrogène et une autre liaison simple avec un hydrogène. Je vérifie maintenant que euh, mes atomes respectent bien soit la règle de l'octet, soit la règle du duet. L'hydrogène ici voit donc un doublé liant doublé constitué de deux électrons. Il voit deux électrons, il respecte bien la règle du duet. Le deuxième hydrogène, c'est la même chose. Il voit un doublé liant qui est constitué de deux électrons, règle, donc, donc règle du duet également. L'oxygène lui voit une liaison double constituée donc de 4 électrons et il a 2 doublés non liants, ça fait donc 4 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 8 électrons, donc il respecte bien la règle de l'octet. Et le carbone, lui, voit un double liant un autre double liant et une liaison double, donc 2 plus 2 plus 4 électrons, donc on a également 8 électrons autour du carbone, donc il respecte bien, lui aussi, la règle de l'octet.